La France a donc brillé cette nuit lors de la 93e cérémonie des Oscars. C'était à Los Angeles aux États-Unis. Oui, meilleur scénario pour l'auteur Florian Zeller avec son film de Father. Anthony Hopkins a d'ailleurs été sacré meilleur acteur dans ce film. Meilleur son Sound of Metal pour un Français là encore, Nicolas Becker. Et puis un troisième Oscar par procuration avec un prix pour le documentaire Colette, cette habitante de Caen qui, avec une étudiante, part sur les traces de son frère résistant, déporté et tué dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Margot Bourdin a joint Colette cette nuit. Colette qui vient de fêter ses 93 ans. C'est le meilleur cadeau. Mais c'est un cadeau que j'exige, je veux, je souhaite partager avec l'équipe pendant le tournage et dans le camp. Ils ont été d'une discrétion et d'un comportement tellement respectueux. Ils ont été parfaits. Ce film-là, il a sorti mon frère de nuit et brouillard. Alors un magnifique beau garçon de 17 ans, intelligent, brillant, sportif, arrêté à 17 ans, il va mourir à 19 ans d'une façon affreuse, sordide. Vous ne voyez pas que c'est triste? Il y a quelqu'un qui a dit dans un rapport, vous imaginez le bijou qu'on a perdu. Et c'est exactement ça. Oui, on a perdu un bijou. L'Oscar, il est pour lui, pas pour moi.